Gloire à Dieu. L'honneur, louange, c'est pour vous, Seigneur. Alléluia. Dans moi, béni dans moi. Alléluia, merci, Seigneur. Sans capable la veut péché, en rien passé sans Jésus. Jésus avec ses pères, le dernier repas, cela sous-tend, il y avait eu premier repas. Et il y aura un autre, le dernier repas avec le Seigneur. Mais maintenant, vous vous préparez. C'est le symbolisme de l'harmonie, de l'accord avec le Seigneur. Ce n'est pas un repas pour tout le monde. Je ne sais pas la vie des autres. La vie des autres concernant la Sainte Cène pourrait être variée. Mais pour nous qui sommes chrétiens, nous savons pertinemment bien le repas du Seigneur, ce n'est pas une chose pour n'importe laquelle des personnes. C'est pour les croyants, c'est pour les chrétiens. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est une façon de dire, oui, j'ai accepté, je savais, je sais, je suis et je saurai, quelles que soient les circonstances, que Jésus a été meurtri, a été maltraité, a été mis à mort pour le pardon de mes péchés. Il a substitué, il s'est donné lui-même pour le pardon de nos péchés. Et le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes contents. Aujourd'hui, c'est notre joie de participer, d'accepter, de suivre ce symbolisme. Et le prochain repas avec le Seigneur sera dans le ciel. Dans le ciel. Dans le ciel. Sur sa table, de nous accélérer sur la table.
Mais le Dieu qui sera, quel que soit la nature de vos péchés, quel que soit votre comportement, il y a quelqu'un, alléluia, qui peut vous libérer, alléluia, qui peut porter vos fardeaux, les fardeaux présents. Il est Jésus. Demandez pardon à Dieu ce matin. Personne qui est ne pourra vous pardonner, ne peut vous pardonner. Il est celui qui pardonne. Mais je vais avoir la fin, alléluia. Le nom de Jésus-Christ, au nom du sang versé de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous prenons au jardin là, nous vous servons ce matin, nous serons à votre place et vous faites un petit geste, nous venons là et au jardin là, on vous servir ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous vous prenons au Dieu de bénir ce repas sur la terre. Ce n'est pas un repas quelconque, un repas de maison. Quelque chose que nous pouvons prendre dans la maison, mais c'est quelque Seigneur, c'est quelque chose Seigneur, pour tout apprendre et le faire. Et vous dites, Seigneur, tu as dit, Seigneur, ta parole, de faire ceci en mémoire de toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen, Jésus, dans le ciel, dans le ciel.
lumière de Jésus qui symbolise la grâce dont nous sommes l'objet, le corps de Jésus qui signifie notre salut. Si vous vous sentez capable de le faire, ce n'est possible de votre part de le faire. Mangeons ensemble au nom de Jésus. Certainement, pas vrai, mais il n'y a pas de sang. Le sang, c'est l'âme. Il y a des robots. On peut continuer justement à construire des robots, non pas à créer des hommes. Le sang, seul Jésus donne ça. Voilà pourquoi notre Dieu a dit à Caïn, le sang d'Abel crie justice. Le sang sur votre maison, sur votre vie, votre famille. Le sang sur votre vie spirituelle. C'est son sacré diable qui a mangé. C'est son sacré diable qui a détourné. C'est son sacré diable qui a fini avec moi. C'est son sacré le sang de Jésus sur moi. Le sang de Jésus qui m'a tué. Qui a pas mangé. La guerre ça. Dans la vie, dans le cœur. La grande de corps. Que toute maladie, alléluia, naturelle, surnaturelle, le nom de Jésus. Que sans ça, alléluia, tout le monde détecteur. Ou détecteur. Détecteur cancer. Cholestérol, substantiel. Que le protéine bombe de guérison dans la vie. Vivons ensemble au nom de Jésus.